The traps laid by the abbot have proved tricky, and yet we have managed to break into the inner cloisters, and the library is close at hand, if memory serves. My friend looks weary and troubled, the weight of the world on his shoulders. I can see he is holding a terrible secret deep within. He is trying to bury it, and in its place, the anger is taking over. We must not delay. We must find Dorin and take what we need before we are dragged down with the guilt. The need of the many outweighs those of the few now. We can shed no tears for those lost. We must be strong, and we must destroy the Lords of Shadow at any cost. I'm sure there must be a way of entering the library from here. Salut les filles, bienvenue sur Gameblog.fr pour votre rendez-vous hebdomadaire avec les podcasts de la rédaction. Et aujourd'hui, un podcast spécial dédié au jeu multimillionnaire GTA 4. Multimillionnaire déjà, hein, j'ai envie de dire. Et donc un podcast en direct de Liberty City avec Angel, Rahan et Kaf. Julo étant perdu dans les méandres de cette ville incroyable en compagnie de Nico Bellic. On le comprend. Bellic, ouais, c'est parti. Bon, vous l'avez compris, on va parler de GTA, la saga en général, et bien évidemment revenir sur GTA 4 qui fait l'actu depuis quoi ? Une semaine, deux semaines, trois mois, quatre mois, un an. C'est juste de la folie furieuse, vous devez être déjà très très nombreux depuis hier. Voilà, personne va écouter ce podcast parce que tout le monde joue. Exactement, enfin, s'il vous plaît, octroyez-nous une petite demi-heure en juste fait, de votre temps. Vous pouvez le lancer, vous n'êtes pas obligé de l'écouter quoi. Puis non, mais même mieux, vous le lancez puis en même temps vous jouez. Ça vous fait une sorte de radio GTA en plus. Ou alors vous le téléchargez après que vous l'écoutiez ou non, on s'en fout, ça fait du 8. Hein. Donc voilà, vous l'avez compris, GTA est dans la place, saga qui a commencé en 97, qui s'est vendue depuis à plus de 65 millions d'exemplaires dans le monde. Ça vous pose un petit peu l'ampleur du phénomène GTA. Messieurs, déjà, on part direct dans le passé pour vous faire un petit sommaire, un petit récap de tout ce qui s'est passé. Gaff. Déjà, tu t'es planté de 5 millions parce que les derniers chiffres de mars de Tech 2, c'est 70 millions d'exemplaires. Mais oui, mais parce que ça n'arrête pas. Chaque mois, les gens rachètent des jeux, fou. Certains le rachètent après pour revivre l'aventure. Ah, putain, on est plus à 5 millions près. Ouais, ouais. C'est comme un album de Johnny. C'est un petit peu ça. Donc voilà, ça a commencé donc en 97, un jeu créé par David Jones. À l'époque, on est sur PS1, c'est développé par DMA Design, qui deviendra plus tard Rockstar North. Un jeu en 2D. Ouais, vue de dessus. Vue de dessus, terriblement laid, hein, techniquement. Non, c'était pas si laid que ça. C'était de la 2D de l'époque. Elle était même pas vraiment belle pour l'époque.
Non, c'est vrai. Mais par contre, les animations étaient hyper sympas. Les bagnoles bougeaient super bien, etc. Et puis déjà, c'était l'époque un petit peu de tout le monde qui commence à gueuler autour de qu'est-ce que c'est que ce jeu incroyable où on écrase des gens, où on tue des gens. Alors je rappelle, c'est la grosse différence. De France, les gendarmes français qui se rebellent, qui envoient des lettres. On s'en souvient, hein, certains titres de la presse spécialisée. Mais pas à l'époque. Parce qu'à l'époque, sur GTA 1 et 2. Aussi, monsieur. Par contre, les jeux recevaient des notes de merde. Hein. Ah, de merde. Ils étaient testés, et quand ils l'étaient, en gros, on expliquait que c'était de la merde. Mais rappelez-vous, franchement, est-ce que vous y aviez joué? Ouais, moi j'y avais joué, moi. Moi j'adorais. Ouais, pourtant, voilà, c'est ce que j'allais dire, il y avait quand même des fans. Hein. Moi, franchement, j'y ai pas vraiment joué. Moi j'adorais. Mais je sais qu'il y avait des fans. Heureusement qu'il y avait des fans, sinon on les aurait jamais eu en 3D. C'est vrai. Alors, ce qui est intéressant, en revanche, c'est que bien ou mal, bon ou mauvais jeu, l'esprit était déjà là, et il y avait déjà pas mal de bases, les routes de des GTA plus tard, t'avais les bagnoles déjà que tu pouvais chauffer, c'était la base, l'émission avec les coups de téléphone, les cabines téléphoniques, les machins que tu retrouvais avec le coup du portable qui sonnait après dans les épisodes en 3D, où t'avais pas mal de missions qui arrivaient par téléphone. Non mais d'accord. Si, j'en avais déjà. C'était les cabines téléphoniques. Une sorte de frigo. Non, mais au départ, pas la même chose. C'est ce que je te dis. Dans les 1 et 2, c'était les cabines téléphoniques et le coup du téléphone pour balancer l'émission. Si tu écoutais ce que je dis, Angel. Non mais il faut juste préciser. Et le truc justement, c'était que sous ce côté mission va faire ci, va faire ça, etc. était déjà là. Mais tu pouvais déjà écraser, tu pouvais surtout écraser des gens, ce que tu pouvais pas vraiment faire après, où ils étaient super forts en esquive dans les épisodes bien plus tard, tu vois. C'est ça. Alors que là, tu les traînais bien sous les roues. C'était assez horrible. C'était assez sympa, et puis c'était surtout, ça permettait de déstresser parce que tu avais plein de missions qui étaient relativement balèzes à faire, en time attack, j'allais dire, mais un peu dans ce genre-là, quoi. C'est vrai que c'était pas super évident tout le temps. Maintenant, le jeu était vu de dessus, effectivement, c'était pas super beau. Moi, j'ai l'impression que tu retrouvais des trucs rigolos, quoi. L'accent à l'époque était vraiment mis beaucoup plus sur uniquement la violence, sur. C'était là pour faire un petit peu du buzz un peu malsain aussi, quand même. L'émission était pas très intéressante. Le personnage, il pétait, il rotait. Ouais. Donc c'était. C'était le jeu scandaleux. Voilà, ils en faisaient 3 tonnes. Ouais. Les voix, quand t'étais au téléphone, évidemment, t'avais pas de voix. Ils essayaient de placer des trucs un peu crades, un peu dès qu'ils pouvaient. Bon, rappel, on était sur PS1. Enfin, à l'époque, déjà sur PS1, on avait des jeux 3D. Et sur PC. D'ailleurs, il est filé en téléchargement gratos l'année dernière. Sur le site le de Rockstar. Et l'année d'avant, c'était le 1. Ils ont fait le 1 et le 2 en fait, en cadeau à chaque fois. Et le 2 quand même, ça faisait 400 mecs presque. J'étais étonné en regardant la taille. Et je pensais pas que c'était si gros. Enfin, la version refaite avec les musiques, etc. La taille ne compte pas. Non, je pense que c'est la radio surtout, parce qu'il y avait déjà les musiques, et dès le 1 et dès le 2, quand tu montais dans une bagnole, t'avais une musique, etc. Parce que t'avais pas du tout dans les jeux de l'époque. Enfin, c'était super novateur, ça. Bon, mine de rien, on va passer assez vite hein, sur ce GTA qui posait d'entrée, parce que on l'appelle tout GTA, mais enfin, n'oublions pas que c'était dans le set auto, donc le principe de base était dédicté dans le titre, hein, c'était du vol d'automobile hein, direct, sans bavure, enfin, si, qu'avec des bavures, en fait. Ce n'était que le concept du jeu à cette époque, mais la véritable révolution, là où tout a véritablement commencé, où il y a eu cet engouement populaire énorme autour du titre, c'est vraiment l'arrivée sur PlayStation 2 de GTA 3. Ouais. La 3D. GTA 3, qui d'ailleurs au départ, donc premier épisode en 3D, les tout premiers reportages là-bas dans les studios de Rockstar, ils ne savaient pas trop, beaucoup de gens étaient invités, ce qui n'est plus le cas du tout maintenant, hein, où il y a quand même assez peu de gens qui peuvent voir un GTA avant qu'il soit sorti. Mm-hmm. Angel ? Moi je me souviens que Julo était allé le voir à l'époque, donc premier reportage, justement. Il était revenu, il était là, je vous jure les gars c'est bien, et nous on rigolait, hein. Julo, tu te laisses toujours avoir, blablabla, t'es vraiment un béné. Si, je vous jure, les gars, c'est bien. On peut faire pas, plein de finalement... trucs, il y a plein de vies, plein de missions. À l'époque, personne ne faisait confiance. Julo leur faisait pas confiance non plus. Enfin, tu vois, il allait voir les gars qui leur expliquaient il y aura ça, ça sera comme ci, ça sera comme ça. C'était et ça a l'air quand ambitieux. Même vachement sympa, c'était très ambitieux, ça a l'air quand même bien ce qu'ils ont montré, etc. Et puis, au fur et à mesure, tu commences à y croire, et puis le
je sors et effectivement il y a tout ce qu'ils ont dit quoi. Donc, Caf justement. Non, mais en même temps Julo, là je viens de relire un truc dont sur les notes que j'avais qu'on a oublié de dire, mais pauvre Julo il revient de loin parce que les dernières versions qu'il y avait eu quand même dans les années 80, donc le premier on n'a pas dit mais c'était 97, ouais. Après c'était donc si on l'a dit, toi non plus tu n'écoutes pas 99, c'est vrai, mais là on parle de 2001, mais Julo ouais. Il revient du reportage et il y a eu des versions quand même fin 98, c'était des versions Game Boy Color avec des versions de GTA sur Game Boy Color, et là je vous avoue je les ai jamais vu passer celle-là, ça devait être quelque chose, donc ils ont un peu traîné la, reportage qui arrive, la franchise dans la boue tu vois, c'est avant de la faire briller. Personne veut vraiment y aller, c'est pas super bandant, mais Julo finit par y arriver, par y aller un peu par défaut, et il est revenu un petit méthode. Peu avec des étoiles dans les yeux. Ouais. Et puis après il y a l'épisode aussi de la présentation de l'attaché de presse de Tech2 qui vient, alors ouais, il y a Bip qui vient nous présenter le truc, ouais bon allez on va jeter un oeil, et puis et on avait été assez bluffé hein, quand même, ouais, par les possibilités et là tout d'un coup on s'est mis à croire Julo, parce qu'il nous était jamais arrivé jusque là. Non, et depuis non plus, hein, c'est ça qui est étonnant. On rappelle un petit peu l'origine des développeurs, parce que d'habitude on a... C'est des Américains, etc. Là, c'est des Écossais. Exactement, des Écossais. Ils sont à Édimbourg. GTA, ça nous vient d'Écosse. Édimbourg, tout au nord. Ouais. Mais voilà, un jeu qui est pourtant très typé américain dans l'absolu. Ils prennent toujours des. Ah, dans les cities, c'est New Yorkais. San Andreas. C'est du Miami Vice écrit par des Anglais. Ouais, il y a quand même un humour super anglais et un second degré surtout. Ultra anglais. Mais justement, on reviendra là-dessus parce que GTA, c'est un nid à polémique, bien évidemment, mais aussi c'est un jeu avec énormément d'humour, plein de deuxième degré, énormément de choses à voir, plein de choses cachées quoi en fait. Rien que les radios déjà, les pubs, tu vois même toutes les promos qu'il y a eu déjà sur le 4 évidemment parce qu'on les a vus récemment, mais même auparavant tous les petits films. Pseudo-propagandiste sur les flics, c'est bourré d'humour dans les visuels, dans les affiches, il y a beaucoup de parodies. Il y a beaucoup plus de références qu'on pourrait le voir. Ah ouais. C'est-à-dire, enfin, GTA, on essaie de le traîner dans la boue, on essaie de le faire passer pour un jeu pour débile profond, mais les mecs qui sont derrière, visiblement, enfin, de toute évidence, c'est des mecs plutôt cultivés qui casent pas mal de références dans le. Dans pas non plus comme à se foutre de la gueule. Parlons un petit peu des références des GTA. et là je regarde Angel. Non mais très clairement sur du GTA 4 on est très proche d'un Scarface, d'une ambiance un peu Le Parrain, ça reprend aussi beaucoup de films très connotés comme ça, noir, avec une ascension d'un personnage. C'est Scarface, c'est très travaillé, c'est Scarface, scénario, en fait. Les affranchis, ça évidemment, ça va te faire dire ça, c'est enfoncer les portes ouvertes. Bien sûr. Ouais. Mais d'ailleurs eux-mêmes le disent, les mecs qui sont derrière le disent en toute modestie quoi. Qui tirent quand même des ficelles très très connues, mais ça n'empêche pas que derrière dans l'écriture et de tous les trucs comme ça c'est bien fait. Ouais, c'est justement, il y a beaucoup de personnes qui s'arrêtent au cliché vraiment d'un jeu ultra violent fait pour les ados où on peut bastonner tout le monde, tuer tout le monde, arracher une voiture, c'est vrai, GTA c'est aussi ça. Mais finalement, la série des GTA depuis le 3, c'est une série qui est très écrite. Au niveau du scénario, c'est très prenant, au niveau de la mise en scène aussi. Il y a des heures et des heures de dialogue, ouais. de mise en scène. Les personnages sont très travaillés aussi, ça c'est vachement important parce qu'on a, y a beaucoup de gens qui n'ont pas vraiment forcément beaucoup joué au GTA, qui voient ça de l'extérieur et qui le critiquent. Pensant que tous les personnages n'ont pas forcément de nom, que c'est un peu que des anonymes dans une ville, mais il y a beaucoup beaucoup de personnages connus de la série, dans les différents épisodes, qui sont travaillés, qui développent des histoires séparées. The tower at the Abbey of Wygol was once a place where men of God sought knowledge and protected the people with Christ's love. Now it is the refuge of a man driven insane by fear. Dorin has abandoned his people to death or worse. A powerful relic keeps the vampires at bay, and we must take it if we stand any chance against the Dark Lord's minions. I know of a secret way that will take me to the top of the tower by a different path.
Gabriel will have to find his own way for now. Trouve pas à faire des trucs un peu complètement par hasard, quoi. C'est pas non plus. Enfin, je me souviens par exemple de. Je sais plus quel. C'est dommage, je me souviens plus du nom de cette émission de voiture sur une grande chaîne nationale qui disait que le but de GTA c'était d'écraser des piétons. Turbo ? Turbo ? Et si non, c'est une chaîne nationale française ? Non, c'était une autre. Automoto ? Je crois qu'on a fait le tour. Hein. Ah bon, bref. Donc voilà, non, c'est pas le but du jeu. Le but du jeu, tu gagnes rien et crabouiller des piétons. C'est quoi justement pour vous le but du jeu, la force d'un GTA ? Qu'est-ce qui le rend très différent des autres jeux où on est assez libre ? Ouais, ça. Je sais pas moi, ce qui me concerne. Déjà, ça dépend des épisodes. Le premier, ça a été plus justement l'aspect. Donc pour toi, le premier GTA 3. Le premier ouais. En 3D, ouais. Ouais. C'était plus ce qui m'a le plus. Ce que j'ai le plus retenu, c'était comme tout le monde, la liberté de pouvoir se balader dans une ville gigantesque. Choper des bagnoles, faire un peu tout et n'importe quoi, et là dans le dernier, ce qui me botte le plus, c'est l'histoire et les persos. Quoi. Donc, Angel ? Bah, sinon, c'est pareil. Enfin, c'est, globalement, c'est la mise en scène, l'écriture et tout. D'ailleurs, c'est pour ça que le dernier GTA, Rakai. Celui d'avant, San Andreas, ouais. Rakai Island, enfin Ghetto Island, moi, il m'avait pas attiré plus que ça parce que. Parce que voilà, enfin tu vois tout le côté ghetto, je trouvais ça un peu too much. Justement, ça c'est assez intéressant de voir l'évolution de la série avec ces personnages emblématiques. GTA 3, ensuite Vice City et ensuite San Andreas. On garde le 4 pour un petit peu tout à l'heure. À chaque fois, c'est un personnage fort, très distinct, très différent dans son univers aussi. Justement, c'est peut-être là où on peut accrocher ou pas. Bah en fait, apparemment, les développeurs ont à chaque fois un peu de problèmes. À chaque fois, quand ils ont sorti GTA 3 le premier, mm-hmm. avant de commencer à faire Vice City, ils savaient vraiment pas ce qu'ils allaient foutre parce qu'ils avaient un peu l'impression d'avoir fait le tour de la question avec GTA 3. Mm-hmm. Et je crois que c'est Hauser, en fait, qui était fan de la série Miami Vice et qui s'est dit Dan Hauser, le producteur de la série. On va transposer ça. Ouais. Et donc à chaque fois, ils essaient de retrouver de A à Z un nouvel univers. Alors après, effectivement, Angèle comme moi, on n'a pas particulièrement adoré celui de San Andreas. Mais bon, il y a très certainement des fans qui préfèrent celui de San Andreas à celui du 4. Et à chaque fois, c'est un nouvel univers différent, des personnages différents, même si le fond des thèmes et l'humour restent les mêmes. Quoi. On parlait tout à l'heure du côté très écrit de l'histoire, et on parlait des tonnes et des tonnes de dialogues qu'il y a dans le jeu qui le rendent aussi vivant. Là, il y a pas mal d'anecdotes là-dessus. On a des grands noms du cinéma hollywoodien qui ont prêté leur voix. En fait, ils l'utilisent de plein de manières différentes. Alors déjà, évidemment, tu as les doublages. Les doublages, c'est juste n'importe quoi, parce que tu as du Dennis Hopper, du Burt Reynolds, du Michael Madsen. J'adore la voix de Michael Madsen, qui est juste fantastique. Chris Penn, James Wood, Joe Pantoliano. C'est des grands noms. Il y a des trucs, Robert Ray Liotta. Enfin bon, il y en a 50 milliards. C'est amusant parce qu'ils prêtent leur nombre. Ils prennent bien évidemment un petit chèque, mais enfin, visiblement, les polémiques entourant GTA, eux, ils s'en foutent grave. Madsen n'en a rien à secouer. Ouais, limite, ils sont. Vous voyez des interviews très contents de participer à ce genre de jeu. Et aujourd'hui, par exemple, on l'a vu avec Karl Lagerfeld. Dans GTA 4, ouais. Les gens sont honorés presque d'être dans GTA. Il était super content, lui. Non, mais c'est ça, vraiment super content. Ricky Gervais, donc, qui est un grand comique anglais, donc le créateur de The Office anglais, je précise, hein, pas l'américain, est aussi dedans et il explique qu'il en est très très fier. Il en est plutôt fier, mais ça m'étonne pas, quoi. Mais attends, c'est la consécration. C'est le jeu vidéo pour grand public par excellence, puisque c'est celui qui fait un buzz comme jamais. Enfin, grand public déconseillé quand même, au moins de 18 ans. Non, mais justement, ce que je veux dire quand par grand public, c'est celui qui a une couverture médiatique, qui atomise tout. Et il y a peut-être Halo qui fait un gros buzz à sa sortie, et puis voilà. On verra dans les mois à venir, mais à mon avis, GTA va éclater Halo. Mais je pense aussi, quoi. Et t'as même. C'est au box office américain au cinéma à côté en face d'Iron Man, et t'as quand même les execs d'Hollywood qui se disent oula, il y a peut-être un truc qui va nous prendre des parts de marché là-dessus, quoi. Ouais, et les mecs d'Iron Man ont dit ça. Déjà que le film est mauvais. Non, tu peux pas dire ça. Attends, si, je vais le dire. C'est un nanar. Non, c'est un bon film de divertissement. Et voilà, mais moi je kiffe de toute façon Donné Machin Junior. Là, ouais, oui, ok, tu connais même pas son nom. Robert Donné Junior. Moi je kiffe ta mère. Comment elle s'appelle déjà? Ah là 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 là. Robert Donné Junior et Gwyneth Paltrow sont très bons dans ce film.
bon. Et elle est surtout très bonne. Oui, voilà. GTA. Bon, et on revient sur un truc très con, c'est qu'en fait, je ne savais pas. J'ai découvert en faisant mes recherches, c'est que comme je n'ai jamais joué à fond, j'ai jamais vraiment fini à 100% à GTA, j'avoue. J'ai découvert très récemment qu'en fait, ils se foutent de la gueule, mais dans le jeu, dans les écritures, et parfois même dans les scènes cinématiques, de la concurrence. Mais genre vraiment, ouais. Avec Driver qui en prend pour son grade au hasard, tu vois, par exemple. Avec, c'est pas beau de tirer sur les ambulances. Mais des trucs hallucinants. Mais The Getaway, il en prend plein sa gueule aussi. Ah oui. C'est pas beau de tirer sur les corbillards. Et en plus, c'est un produit national aussi. Donc non, mais voilà, attention, ça rigole pas parce que justement, c'est genre, tu rentres dans une pièce et il y a un mec qui est en train de jouer un jeu vidéo, etc. Et donc le gars, il y a une ligne de dialogue et tout, fait putain, mais réfraction. Il se fout de la gueule donc de réfraction le studio. Réfraction, ils ont trop chié, comment l'animation est peut-être aussi pourrie. Voilà. Oui, mais dans le jeu, oui. Et l'autre, en fait, quand tu te rappelles de l'époque, c'est qu'en fait, effectivement, Tanner, le personnage du jeu, en question, avec une anème pourrie. Donc là, ils l'ont mis carrément dans le jeu, ils sont foutus de sa gueule. Donc, et après, il y a eu des bastons avec dans d'autres jeux. Il y avait les mecs qui se sont foutus de sa gueule, genre dans je sais plus lequel c'était parce que je l'ai perdu. Il est là. Il est sous tes yeux. Mais parce qu'en fait, rappelle-toi, donc tu crevais dès que t'allais dans l'eau. Ouais. Et ce qui est plus le cas dans le 4 déjà. Voilà, tu pouvais pas nager. Donc en fait, dans d'autres jeux de bagnole, effectivement, ils avaient mis des mannequins qui flottaient avec les noms des mecs qui font le jeu en fait sur les mannequins pour se foutre de la gueule du fait que non, tu peux pas aller dans l'eau, toi, nous si on peut nager et tout. Ouais. Donc les mecs se tirent la bourre sur le genre de jeu. Je pique des bagnoles. Attends, mais et dans le 4, il y a quand même un get a life énorme sur un des buildings de Liberty City. Tu vois, si ça, c'est pas se foutre de la gueule de ton public. Get a life. Quand même, bon. Sur la bande-annonce en plus, ouais. Je l'avais en plus, vu. Ouais, tu l'avais sur la bande-annonce, la toute première déjà. Mais quand je l'ai vu, j'ai fait, ok, je crois qu'il y a un message. Ce qui est amusant, c'est que par contre, Rockstar aime pas trop qu'on se foute de la gueule du monde avec leur propre jeu. Ils aiment pas trop d'ailleurs que d'autres jeux utilisent l'image de GTA. On l'a vu dans les Simpsons, par exemple, où il y avait des affiches qui avaient été mises dans le jeu en reprenant un petit peu l'esthétique GTA et on avait demandé de les supprimer. Alors, comme je vous l'avais déjà précisé, en fait. L'histoire, c'est pas du tout qu'on les supprime dans le jeu, c'était qu'on ne s'en serve pas comme affiche promotionnelle pour la promo du jeu Simpson, c'est tout. Mais en fait, ils n'avaient pas du tout demandé le retrait de ces posters dans le jeu, mais juste en termes de marketing, c'est tout. Ce qui à la limite, pourquoi pas. Bon, alors GTA 4 arrive là depuis hier officiellement dans le monde, on va dire, voilà, officiellement on va dire. Je crois que les boutiques se sont un peu lâchées. Certaines, oui, ont ouvert les portes quelques heures à l'avance. Elles ont lâché les vannes. Si vous étiez allemand, vous avez encore plus de chance. Ça fait des semaines maintenant que c'est en vente en Allemagne. C'est vrai ? Ça fait plaisir, ouais. Alors en revanche, énormément de choses ont été dites déjà sur le jeu par des gens qui ne sont pas du tout joueurs. Liberty City, c'est une copie, allez, quasiment conforme de New York. Il y a carrément l'ex-maire de New York, Giuliani, qui avait fait quelques mentions de GTA. Quelqu'un veut... Personne, non, toi, vas-y. Toi, vas-y. Bah non, c'est mais ton enfin, idée. Il était pas content, quoi. Voilà, quoi. Il voulait pas que la ville de son cœur soit le terrain de jeu de milliers de racailles qui vont serrer la et se balancer des pruneaux dans la gueule et puis voilà quoi. Et alors on a ouais, c'est Giuliani. Ouais. Et on a quelqu'un d'autre aussi, on a Thompson. Jacques Thompson, voilà. Mais bon, alors lui c'est le personnage. Un petit peu. L'étron du baron américain. Non, mais Rand parlera beaucoup mieux. Oh, non, moi je ne parle pas de ça. Si, Rand est beaucoup plus insultant que moi. Non, c'est pas vrai. Bah, écoute, on va te laisser en jeu. Alors, Jack Thompson, c'est un avocat qui justement devrait récupérer une vie. Parce que son grand but dans la vie, c'est d'interdire GTA. Et les jeux vidéo en général. Ouais, mais surtout GTA. GTA quoi, c'est ouais, surtout GTA, c'est sa marotte. Mais vraiment, il sa cible. Ouais, je sais pas, il en a fait sa vie quoi. Non, il a fait quand même quelque chose d'assez. Il en a fait sa vie, alors on pensait que l'histoire, enfin après toute l'histoire de Kofi, tout ça, évidemment lui il est derrière tout ça, et on pensait qu'ils avaient trouvé un règlement à l'amiable où il avait signé, il avait signé un papelard qui en gros expliquait qu'il n'allait pas faire de vagues à la sortie de GTA 4, qu'il allait fermer sa gueule, mais il n'a pas pu s'en empêcher, il a quand même écrit une lettre ouverte à la mère du président de Tech2. Voilà, une lettre Mon ouverte. Dieu. Oui, une lettre ouverte, mais en Madame, voilà ce que votre fils a alors votre en citant la Bible et tout ça, oui, bien sûr. C'est du niveau du kid.
Where's the abbot? Inside. Sent you. You are demons who serve him. He told me you'd come. He does it to torment me. Your people perished while you hid behind the one thing that could have saved them. You don't deserve to call yourself a man of God. Gabriel. It's mine! You can't take it! There is a need far greater than yours. You cannot take it! You are not worthy! Don't leave me here, you dogs! Curse you! Damn you to hell! Please, help us. What is it? What's happening? They want you, sir. They want you alone. You must go to the village, or they will kill us all. You do realize it's a trap. I know. But still, I must go. Do what you must. I'll take care of the boy. The power to defeat the vampires is now in our hands, and that bastard Dorin has no doubt met his maker. If anyone deserved death, it is he. No one will shed a tear for his miserable life. Countless others have met the same fate by his hand. The quest is going well. We have what we need to confront the Dark Lord, and I sense Gabriel's determination to see this through. The vampires must know we have the relic, and I'm sure they will move to stop us if they can. Venez-vous d'éducation des enfants en disant que son fils fait de l'argent, enfin en gros en le traitant. Son fils c'était un peu le fils spirituel d'Hitler quoi. Quand tu lis la lettre, ouais, c'est pire qu'un marchand d'armes quoi. Il est pas gros, parce qu'ils vendent de la pornographie, de la violence et des jeux qui font l'apologie de la drogue et tout. Et tout ça à des jeunes. Et tout ça à des jeunes. Vous vous rendez. Enfin, ils citent. Alors, le comble du ridicule. Bon, dans l'absolu, il y a quand même pas tort. Ça, non, ça le comble du ridicule vient. Quand il a cité Charlton Heston, non comme non, ça. C'est quand il explique, vous vous rendez compte, il y a même de la publicité pour ce jeu qui passe pendant les mois de catch de la WWE qui sont regardés par des millions d'enfants. Et qui, par contre, eux, sont complètement sains. Ouais, enfin, en même temps, tout le monde de l'amour. Tout le monde sait que c'est du chiquet, mais bon, enfin, la ouais, catch, et puis ça se fait. Mais enfin, donc, bah, tout ça pour dire que Jack Thompson est. Et donc, très très ridicule sur la planche, mais le pire, mais ouais, non, parce qu'il y a des chaînes comme Fox News par exemple. Il est pas radié du baron d'ailleurs.
Il y a un truc. Il y a un truc, ouais, parce qu'il a, il était tellement virulent parce que vraiment ça allait loin. Enfin, il a fait très prenant dans le Il y a un juge qui dit qu'il y en a ras-le-bol que tu nous fasses perdre notre temps dehors. Je crois qu'il s'est passé un truc comme ça. Je crois qu'il y a... En tout cas, en Floride, je crois que de toute façon. Non, mais c'est quand même allé très très loin. Quoi. C'est-à-dire, au bout d'un moment, c'était de l'acharnement. C'était vraiment de l'acharnement. Bien sûr. C'était encore de l'acharnement. Ouais, il écrit juste à la mère du président du Bagdad. Il est vieux, faut que tu te réveilles. En citant des proverbes du Nouveau Testament, enfin du Nouveau et de l'Ancien Testament. Ouais, je te jure, la lettre, elle est pris. Mais non, mais lui, il est vrai. C'est notre pavisé. Enfin, si j'étais à ce point-là visé aussi, c'est que ça souligne un petit peu l'importance culturelle du pas aussi qui a pris le jeu. On voit qu'il y a eu pas mal aussi de problèmes raciaux autour de jeu. Il y a beaucoup de personnes qui ont souligné le fait qu'on incarnait un black dans San Andreas et que du coup ça véhiculait une très mauvaise image, qu'on pouvait taper des portoricains et que du coup la communauté portoricaine se sentait exclue. Enfin, il y a eu alors maintenant on a mis des anciens des mecs de l'Est et personne va rien dire. Les portoricains c'est avec Vice City, je crois. Pour le prochain, il faudra le chinois, et puis voilà. Et là, vraiment, personne n'en a rien à foutre. Ok, mission avec une flamme olympique, d'ailleurs. Et puis, c'est de l'éteindre. Ah, c'est malin, bravo. Moi, je suis désolé. C'est débile parce qu'effectivement, à chaque épisode, le premier, tu joues un Pékin bien blanc, normal. Après, il y en a pour tout le monde, on prend plein la gueule dans les GTA, de toute façon. À part avec les chinois, mais je crois qu'il n'y a peut-être pas tant que ça. Non, mais il y a des trucs avec les triades, je crois. Oui, il y a des trucs. Ouais. Non, mais ouais, c'est pour ça, quoi. Franchement, c'est des conneries, l'histoire de racisme, parce que là, il n'y a pas de jaloux, quoi. C'est tout le monde en prend plein. Ouais, ils l'ont peut-être mal pris que tu pouvais grossir dans le dernier, effectivement. C'était un blague. Ça attise des passions, en tout cas, GTA, très clairement. Et puis surtout, ça attire un public de personnes qui ne connaissent pas bien le jeu vidéo et qui du mais coup, s'y intéressent. Ils sont exposés comme n'importe qui d'autre, c'est ça le problème, c'est que c'est tellement une grosse machine médiatique énorme. Que tout le monde est exposé à ça, donc ceux qui connaissent pas forcément le jeu vidéo et qui ont ça comme image du jeu qui est mis en avant par toutes les enseignes, etc., se disent peut-être effectivement c'est quand même un peu abusé, mais enfin maintenant entre Wii Fit et GTA, on va voir. C'est pas vraiment. Enfin, justement, puisqu'on parle de Wii Fit, alors vous allez voir, je vais retomber sur mes pattes. vas-y, pédale. Putain, ça Wii va loin, Fit, il y a un battage médiatique énorme autour de ce jeu. Encore avant-hier sur e-télévision, il y avait carrément dans l'air. Les reportages normalement qui sont dédiés à pédophilie, le mal qui ronge la société, etc. Là c'était Wii Fit, peut-on maigrir vraiment avec Wii Fit, enfin, ce genre de débat. Et en même temps, le jour d'après, ça parlait donc hier, date de sortie officielle du jeu, sur LCI, il y a carrément dans les journaux, on parle de la sortie du jeu. L'image de GTA, tu parles là. De GTA, bien sûr. Le grand journal, aujourd'hui dans le grand journal. Dans le grand journal. Enfin lundi. Lundi, voilà. tu trahis tout nos mystères. Voilà, on a vu aussi ce week-end dans le quotidien Libération, la couverture carrément de Libération dédiée à GTA, le plus grand jeu du monde, le meilleur jeu du monde, 4 pages à l'intérieur, enfin sur des médias très grand public qui normalement n'ont qu'une des petits nationaux, encarts sur le jeu vidéo, là ça prend complètement une autre importance. Qu'est-ce qui se passe autour de GTA? Comment vous l'expliquez-vous? Alors c'est pas le premier jeu à faire la couve d'un quotidien. Que PES l'a fait pas plus tard que cette année. Mais Libé avait fait une couve aussi sur Tomb Raider. Enfin, oui, mais c'est vraiment dédié à certains jeux. Très honnête, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Non. Mais c'est vrai, moi ça fait des années que GTA, voilà. Pour moi, GTA reste un jeu hyper sympa, mais ça reste un truc où t'as des missions à remplir dans un univers qui est effectivement de plus en plus détaillé. Le dernier, il est fantastique là-dessus. Il y a une vraie en parler dans quelques minutes. Très bien. Est-ce qu'il est vraiment à des années-lumière de ce qui sort? Est-ce qu'il est vraiment à des années-lumière d'un Bioshock, etc.? Pour moi, c'est complètement différent, tu vois. Mais peut-être que la thématique générale parle plus au grand public. Mais je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Mais par contre, en termes de jeu, j'ai l'impression, je parle purement de jeux vidéo. Pour moi, je suis pas... En tant que joueur, c'est pas le jeu. Tu le trouves pas fabuleux, quoi. Ouais, enfin, moi, il y a plein de trucs, et GTA, ça m'a toujours fait chier pour plein de raisons, parce que
y avait des missions qui m'emmerdaient. C'est intéressant. Ouais. Et surtout, j'ai jamais, jamais, mais sur aucun jeu, mais alors là encore plus, j'ai jamais accroché au truc annexe. Aller récupérer les codes, les machins, faire tous les tags, etc. C'est donc amusant. Ça m'a toujours saoulé. Parce que moi, ça m'a toujours saoulé l'inverse. C'est-à-dire que je me tapais 4-5 missions, puis au bout d'un moment, basta, et j'allais prendre ma caisse et puis j'allais me balader. Moi, j'allais je me baladais, je faisais péter le truc, ça m'amusait, mais ouais. En revanche, essayer de revenir sur les rails du jeu, etc., ouais. et faire les challenges, etc., ça m'intéressait pas du tout. Vraiment. À mon avis, GTA incarne le jeu vidéo qui te propose d'aller dans un univers complètement virtuel où t'as l'impression que tu peux faire ce que tu veux et qui est un univers qui est proche de tout le monde, parce que c'est un univers urbain que tout le monde connaît. Mmh. Ouais. C'est pas. Sauf les ploucs. Et qu'il est con. Merci Angel. Ils ont une télé aussi. Il y a des ploucs dans GTA. Dans tous les GTA, c'est vrai, tu peux pas conduire de tracteur. Et ouais, qui traverse avec le champ. C'est un vieux doute. Je crois que si en plus. Tu peux continuer. Non, je peux plus là. Tu peux récolter certaines herbes dans certains GTA. Ah oui, ça n'a rien à voir. Dans un sens de reste. Enfin bref, donc c'est à mon avis l'incarnation d'une sorte d'idéal du jeu vidéo, du monde virtuel machin, peut-être plus encore que les MMO, et pourtant Dieu sait que dans World of Warcraft on en a aussi beaucoup parlé, et les médias généralistes aussi quoi. Mais GTA, voilà, c'est proche de tout le monde, tout le monde peut s'identifier facilement à, voilà, on te balance dans une ville et tu peux faire ce que tu veux. Et comme ça a été beaucoup présenté comme ça aussi, comme le jeu de la liberté absolue où tu peux vraiment faire ce que tu veux, même si c'était pas le cas parce que les premiers tu pouvais pas rentrer dans tous les bâtiments ou faire des plein de trucs que tu pouvais pas faire, les gens ont, à mon avis, et les médias en général voient ça comme le jeu vidéo, un des types, enfin le jeu vidéo typique quoi. Est-ce que vous trouvez justement que la saga GTA est un vrai jeu gamer, ou est-ce que finalement c'est peut-être pas l'incarnation même du jeu très gamer, c'est ouvert à tout? Bon, c'est vous allez comprendre parce qu'en fait c'est en deux parties. Ma question. Enfin, répondez déjà à celle-là. Justement, je crois que le succès du jeu, c'est que c'est un gameplay super adaptatif. Ça s'adapte aussi bien aux mecs, aux joueurs lambda qui jouent comme ça une fois de temps en temps, qui va passer 5 minutes, qui va défoncer. Qui va défoncer une pute, autant dire les choses clairement. Et tu vois, quand tu disais défoncer, je pensais à d'autres choses, mais étrangement. Voiture, non, je pensais à voiture. Défoncer, voiture. Renverser, tu vois, qui va renverser une pute et puis se faire une mise. J'aime bien ça, je sais pas. Là. Et se faire une. En jeune, il aimait. Je ne sais pas. Donc, et se faire une mission comme ça à droite à gauche, et puis t'as les mecs qui vont aller jusqu'au bout du truc, qui vont faire toutes les missions annexes, va essayer de récupérer, enfin, de conduire toutes les bagnoles possibles et imaginables. Et compagnie quoi. Bon, en gros quand même, quelque part, vous seriez d'accord pour dire que c'est pas un jeu casual, GTA. Non, mais c'est pas forcément un jeu hardcore, non. Il est accessible, aussi accessible. Il est hardcore si tu veux tout faire. Ouais. Moi je me rappelle de casque à Joy, il y a des années de ça, sur le 3, qui était en train de péter un câble dans la DAC parce qu'il lui manquait deux paquets pour être à 100%, tu vois. Et voilà, mais il y avait ça aussi, mais il en pouvait plus quoi. Enfin, tu vois, il était à prendre des rampes pour monter sur des bâtiments et tout. Faut pas oublier aussi dans GTA tous les à côté, voulu ou non voulu d'ailleurs par les développeurs quoi. Tu vois, quand tu vois tous les trucs qui se font, toutes les vidéos sur le net de mecs qui font des cascades en moto et tout ça. Ouais. Ça c'est justement, on va dire, le gameplay émergent. Tu vois, c'est un terme que j'aime pas trop en plus quoi, mais. Et alors vous verriez sa tête quand il dit émergent. Ah ouais, non, c'est vraiment un terme que j'aime pas du tout quoi, mais c'est l'exemple type, quoi. Voilà, c'est vraiment l'exemple type du gameplay émergent quoi. C'est des mecs qui ont pris des motos et parce que la physique était super mal foutue et qu'elle permet de faire des sauts surréalistes et d'arrêter les gens en gros de rouler sur des poteaux télégraphiques. Il y a des mecs qui l'exploitent et qui font des trucs, qui font des vidéos super drôles et que tu retrouves sur le net. Mais alors là où je voulais en venir en fait, c'est est-ce que l'arrivée de GTA, le carton programmé et qu'on est en train de voir dans la flux d'informations qu'il y a autour de ce jeu, l'intérêt que les médias généralistes portent sur ce jeu, etc., n'est pas quelque part quelque chose de très sain pour le jeu vidéo qui est en train aujourd'hui, on entend beaucoup de voix s'élever en disant
vrais joueurs en disant oui mais le jeu vidéo devient de plus en plus casual, il y a de moins en moins de jeux pour les vrais joueurs, etc. Est-ce que le carton colossal planétaire qui s'annonce pour GTA 4 est pas quelque part quelque chose qui va rééquilibrer la balance et montrer que des jeux purement ludiques avec un contenu d'une richesse incroyable, c'est-à-dire que GTA 4, c'est, si on veut tout finir, on l'a dit, hein, c'est plus de 100 heures de jeu en cumulé, quête annexe et quête principale comprise, et bah, qui met d'accord tout le monde et qui signifie aussi qu'aujourd'hui on peut aussi faire des jeux gamers qui ont un impact colossal et qu'il faut pas juste un pèse personne. On n'a pas attendu GTA pour faire des jeux gamers qui ont un impact colossal. Mine de rien, l'E3 a beaucoup vendu aussi, et à mon avis la vraie question par rapport au casual, c'est quand est-ce que GTA fera jouer ceux qui ont acheté une Wii par exemple. Est-ce qu'ils joueront à GTA? Enfin, le débat du casual, je crois qu'il a même pas lieu d'être ce soir, quoi. Enfin, Wygol Village is safe for now. The vampires have lost one of their commanders, Brawna, and news will travel back to the Dark Lord quickly. This is a blow, but it won't take long for them to regroup. Luckily, one of the villagers has revealed to us a secret path into the demon's castle. This will lead Gabriel into the sewers, and then up into the very jaws of death. The villagers called him God's savior, and his weapon they called Vampire Killer. Ah, Gandolfi, how that would make you smile. As for me, once my business here is done, I shall follow my friend and aid him where I can. Je sais pas, on parle de GTA déjà, mais en termes. Non, mais justement, moi, c'est vraiment ce que dit Raon, je le recoupe vraiment, c'était vraiment ce qui était impliqué dans la question, c'est quand est-ce que